ce projet s'est concrétisé le 15 octobre 2008 avec la signature du contrat de partenariat entre Lille Métropole et ELISA, la filiale des phages. Et ça ne faisait que concrétiser cette volonté politique de la métropole de se doter d'un équipement prestigieux, multifonctionnel, à la fois pouvant servir d'écrin pour le club résident, le LOSC, mais également un équipement multifonctionnel destiné à accueillir de nombreux spectacles et autres à la dimension de la communauté urbaine. Caractéristique, je dirais non pas unique en France, mais unique au monde, la moitié de la pelouse va pouvoir se lever sur environ 5 mètres de haut, va se translater en un peu moins de 24 heures sur l'autre demi-pelouse. Nous allons baisser un grand rideau, fermer le toit, et vous avez la transformation d'un stade de 50 000 places en salle de spectacle de 30 000 personnes dans laquelle nous pourrons réaliser des concerts, du sport indoor, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Un Paris-Bercy, non pas de 18 000 places, mais de 30 000 places. Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2009, nous avons fait des études préalables, participé aux enquêtes publiques, eu toutes les réunions avec les services instructeurs, de façon à répondre à l'ensemble des interrogations que l'on pouvait normalement se poser sur ce genre de gros dossier, pour aboutir finalement à un permis de construire au 17 décembre 2009. Ce terrain comportait une butte avec des traces de pollution. Donc la partie qui nous concerne a été enlevée. Ça représente 350 000 m3 de terre qui ont été analysées et puis triées. Il faut savoir que cette butte a généré 220 000 analyses chimiques. À chaque fois que nous avions un lot, nous l'analysions avant d'être trié et évacué dans les lieux opportuns. 90% de cette butte, finalement, après avoir été triée, a été réutilisée à quelques kilomètres de là pour réaliser des murs anti-bruit en accord avec les mairies environnantes. Donc voilà, je pense que là, nous avons vraiment optimisé sur le plan environnemental le traitement de cette butte. Voilà, ça c'était le premier point, donc assainir ce terrain. Ensuite, nous étions sur un sous-sol où il y a eu des exploitations de craie. Et donc, nous avons pris le parti de combler ces vides. 67 000 m3 de coulis de ciment ont été injectés dans le terrain. Et à partir de ce moment-là, en juin 2010, nous avions un terrain complètement dépollué et tout à fait sain. La plupart des gens se disent « mais maintenant, le stade repose sur ses anciennes carrières ». Pas du tout. Le stade repose sur 1800 pieux, qui sont des espèces de colonnes en béton armé de 15 à 20 mètres de profondeur et qui vont s'appuyer sur un sous-sol beaucoup plus dur, de craie bleue, et tellement dur qu'il n'avait pas été exploité par les carriers. C'est impressionnant de voir autant de monde pour une première pierre. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait une première pierre. 10 grues, des poutres immenses, un superbe chantier. Et je remercie tous ceux qui sont ici. Je pense que c'est un équipement aussi structurant que Euralille, le métro, Euratechnologie, Eurasanté, Lille 2004. Ce sont les grands événements, les grands équipements qui font à la fois la cohésion d'une métropole, son rayonnement, mais qui aussi améliorent la vie quotidienne des habitants. C'est quand même aussi cela l'objectif. Aujourd'hui, on travaille main dans la main entre les services de l'État, de la communauté urbaine et puis de la société Eiffage. Je l'ai dit, c'est un chantier exemplaire en termes de bruit, de poussière, de lien avec l'environnement. Et je crois qu'il faut le saluer parce qu'on attaque souvent les entreprises quand on n'est pas content, quand elles font des belles choses, quand elles le font bien, quand elles respectent leurs engagements pour l'insertion des jeunes, pour faire travailler les PME de la région, il faut aussi le dire. Le premier élément de structure en béton est sorti de terre le 19 mai 2010. Donc nous avons attaqué les structures du stade depuis le sud-est en remontant vers le nord-est et puis ensuite depuis le sud-ouest en remontant vers le nord-ouest. Les éléments verticaux, poteaux et quelques voiles ont été coulés en place. Par contre, l'essentiel des structures horizontales, poutres, planchers, ont été préfabriquées et amenées sur chantier.
Vous avez pu voir le coulage en place des crémaillères hautes, parce que ces éléments-là étaient beaucoup trop lourds pour être transportés, donc on les a coulés en place. Un stade comme celui-là, avec cette disposition, représente environ 100 000 mètres cubes de béton. Toute la charpente, toute la toiture va reposer sur deux énormes poutres de 200 mètres de long qui vont aller d'un mégapoteau sud à un mégapoteau nord. Ces poutres métalliques font environ 16,50 m de haut, elles-mêmes reliées par deux poutres transversales de 80 mètres de long. Ça vous dessine à peu près, je dirais, le stade. Ces poutres ont été préfabriquées dans les usines d'Eiffage Construction Métallique sur le Rhin à Lauterbourg, sont arrivées par barge via Rotterdam pour arriver au port de Lille. Une fois arrivées au port de Lille, elles sont arrivées pour l'essentiel dans des convois normaux et ensuite assemblées sur place. À l'exception des deux poutres transversales qui sont arrivées en trois morceaux de 27 mètres de long chacun et qui ont nécessité donc la réalisation d'un convoi exceptionnel. Ça a été fait la nuit, ça a été monté avec une grande préparation avec les pouvoirs publics de manière à arriver sur place sans encombre et sans interférer de manière notable avec la circulation locale et pour minimiser les nuisances. Ces poutres ensuite ont été assemblées sur place. Ça a nécessité une opération, une des premières opérations extrêmement complexes de ce stade, le basculement de ces poutres, puisque une fois assemblées, il a fallu les relever dans leur position définitive, les aligner avec les mégapoteaux, et donc cette rotation de 90 degrés a été assurée à l'automne 2010. Et là, avec l'aide de quatre énormes grues mobiles, deux de 800 tonnes et deux de 600 tonnes, nous avons procédé au relèvement des poutres. Et puis, arrivés à un certain angle, on les a plutôt retenues pour qu'elles prennent place de manière parfaite entre les deux mégapoteaux. Une fois que les poutres ont été basculées, nous les avons liaisonnées entre elles avec justement les deux poutres transversales de 80 mètres pour rigidifier l'ensemble. Il faut imaginer que cette poutre qui a été assemblée par petits bouts, je pourrais vous la décrire comme une espèce de chaîne à vélo qui reposait à plat sur le sol. Et puis, on a fait un test pour vérifier comment cette chaîne de vélo fonctionnait. Et donc, nous l'avons hissée d'environ 80 cm. Et là, elle s'est mise vraiment en tension. Nous l'avons reposée, nous avons corrigé quelques petits détails et nous l'avons remise en suspension, prête à être hissée définitivement au sommet des mégapoteaux. En parallèle à cette constitution de ces mégapoutres à l'intérieur du stade, nous avons commencé à réaliser les toitures. Les toitures mobiles ont été assemblées sur place sur une aire qui était à l'emplacement du parking silo. Ces toitures, une fois assemblées, ont été disposées en élévation sur un chemin de roulement provisoire avant introduction sur les deux mégapoutres. Maintenant, cette phase est terminée, les structures de roulement provisoire sont démontées, les toitures sont maintenant sur les poutres et en position. C'est un des rares, pour pas dire unique exemple, où tous les savoir-faire d'Eiffage sont représentés. Elisa en tant que concessionnaire, Eiffage Travaux Publics, Forclum et Eiffage Construction Métallique qui sont aux côtés de Pierre Ferret et de Valois des Pistres, les membres du groupement constructeur, et enfin Eiffage Construction, responsable de la construction et de la conception des espaces annexes. Le contrat de partenariat prévoyait en optionnel, mais c'est une option qui a été effectivement confirmée par une nouvelle décision de la communauté urbaine le 5 février 2010, prévoyait la réalisation d'un programme immobilier complémentaire du Grand Stade. Et donc ce programme immobilier complémentaire se compose d'un hôtel 3 étoiles de 127 chambres, l'enseigne Park Inn, un hôtel 2 étoiles de 99 chambres sous l'enseigne B&B, une résidence mixte service étudiant de 171 studios dont la gestion a été confiée à la société Sergic, un pôle santé de 1200 m² de remise en forme pour lequel nous avons signé avec la Générale de Santé, quelques bureaux, très peu, et également une dizaine de restaurants au rez-de-chaussée. Il y a une vraie synergie dès la conception. Un exemple,
Les salles de réunion sont dans le grand stade, les conventions, les séminaires se dérouleront dans le stade. Bien entendu, les hôtels accueilleront les participants à ces séminaires. Les voies de desserte à l'intérieur du grand stade sont faites. Donc ce sont des accès pour les services de secours ou les services de sûreté, mais aussi pour l'approvisionnement matériel du stade et toute la logistique en cas de spectacle. Dans le phasage des grandes opérations, il fallait assembler les poutres, rentrer les toitures, s'assurer que les systèmes de hissage pouvaient être mis en place. Et ensuite, nous avons pris le parti de terrasser avant hissage la boîte à spectacle. Ce terrassement a été effectué au mois d'août. Et aujourd'hui, les structures en béton de cette boîte sont en cours de réalisation. Nous avons deux grands défis technologiques qui sont des premières mondiales sur cette opération. Le premier défi est l'ensemble métallique de la toiture. Le deuxième défi technique, nous avons hissé l'ensemble des poutres et des toitures mobiles d'un seul tenant. Et ça, c'est une opération spectaculaire qui vient de se dérouler. Vous apercevez déjà ce qu'on appelle les fléaux, qui vous donnent bien l'aspect final du stade avec cette espèce d'enveloppe. Donc nous allons continuer à mettre les fléaux intermédiaires. Et ensuite, nous procéderons à la pose des fameux tubes en polycarbonate, 33 km au total, qui vont vraiment dessiner l'enveloppe extérieure. Ces tubes seront éclairés par l'intérieur, de manière à ce que le stade, en période nocturne, ressemble vraiment à une lanterne magique. Pour construire un stade de cette ampleur en à peine plus de 2 ans, on ne peut pas attendre que le béton soit terminé pour commencer à réaliser les corps d'état secondaires. Depuis déjà plusieurs mois, nous avons lancé à la fois, bien sûr, plomberie et électricité, mais même les finitions, aussi bien des 40 buvettes qui seront réparties sur le niveau N0 et sur le N2, mais également au niveau N1, qui est le niveau des loges et des business seats. Nous avons déjà bien avancé dans toute la réalisation et la finition des 76 loges et des 10 000 m² d'espace réceptif. Il y a un certain nombre de places pour les personnes à mobilité réduite. Ce stade va bien au-delà de ce qui est préconisé par la loi, puisque nous sommes non pas à 200 places, mais nous sommes à 500 places. Et 500 places, surtout, et c'est très important de le souligner, réparties dans l'ensemble du stade, pour lequel, par exemple, 36 ascenseurs spécifiques ont été redimensionnés et relocalisés. Pour fixer les idées, ce chantier représente à peu près 1 million d'heures de travail. Nous avons pris l'engagement de faire travailler les entreprises locales, de confier à des PME 30% du total du travail. En matière d'insertion, nous avions une obligation contractuelle, mais je pense que nous sommes allés bien au-delà. Et si on fait un raisonnement global sur 32 démarches d'insertion qui ont été lancées, aujourd'hui 22 sont à faire. Nous avons accueilli 45 stagiaires cet été. Et aujourd'hui, sur le chantier, nous avons 10 jeunes en formation, en alternance. Donc depuis le niveau ouvrier et CAP jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Dans le cadre de l'impact sur l'économie locale de ce que peut représenter le stade, il y a un chiffre qui est assez parlant. Quand nous dépensons 10 euros pour construire ce stade, 7 restent dans la région du Nord. Ce stade, qui est une construction extraordinaire, enfin, unique au monde par certains côtés,
tout de suite, il nous est apparu qu'il fallait pouvoir communiquer et que les gens s'approprient ce stade sans attendre le jour de l'inauguration. Donc tous les groupes qui en font la demande viennent du lundi au vendredi se faire expliquer ce que sera ce stade. Et puis, le dimanche, ce pavillon d'accueil est ouvert au grand public, sans réservation. Et ce pavillon est ouvert depuis un peu moins d'un an maintenant. Et nous avons eu pratiquement 60 000 visiteurs qui se sont déplacés spécifiquement pour faire connaissance de leur futur stade. Le public accédera soit par les escaliers numéro 2, soit continuera à avancer et va découvrir les sièges qui sont, on est sur le haut de la volée basse. Quand vous êtes au Stade de France, le dernier niveau, il est très loin. Ouais. Parce que les gradins ne se superposent pas. Nous, on a fait en sorte que les gradins soient superposés. On a gagné 4 ans, pratiquement. Voilà, oui, exactement. Le premier rang est à 10-12 mètres de la ligne de touche. Et il sera au-dessus de la pelouse. Il est 70 cm au-dessus de la pelouse pour que le banc des joueurs, avec la protection, ne gêne pas le premier spectateur. Là, on distingue tous les éléments qui vont faire que ça va être un lieu fantastique, unique, et on a hâte d'y arriver. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de respecter tous les gens qui travaillent dans n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau. Et puis, c'est aussi eux qui vont certainement venir plus tard. Donc, de pouvoir partager et de pouvoir leur montrer que aussi on est concerné, je pense que c'est important. Là, on essaie un peu de se projeter, mais c'est vrai que c'est... Franchement, ça donne envie. J'ai qu'un mot à dire, c'est que ça donne envie et j'espère qu'on viendra jouer de gros matchs et de beaux trucs ici avec le LOSC. Ça va être quelque chose qui va être emblématique, à la fois pour la France, je pense, mais aussi pour la région du Nord qui va pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc pour moi, c'est une grande évolution pour le foot français, pour pouvoir rivaliser aussi avec les autres championnats. Il nous manquait des stades et d'en avoir un à ce niveau-là, c'est quelque chose de super important pour l'évolution du foot. Elisa, en tant que concessionnaire, doit remettre les clés du stade au LOSC entre 25 et 30 fois par an pour tous leurs matchs officiels et deux matchs amicaux. En dehors de cela, nous ferons vivre ce stade avec trois grands volets. Un volet sportif, des matchs de foot et de rugby en dehors du LOSC dans le stade. Il y aura également des matchs de sport indoor, basketball, handball, tennis, tout ce qu'on peut imaginer dans la configuration boîte à spectacle, de 10 à 30 000 spectateurs. Deuxième volet, concert, en mode 50 000 places, mais également des concerts beaucoup plus fréquents en configuration boîte à spectacle. L'ensemble de ces spectacles sportifs et de ces spectacles culturels à la charge d'Elisa, nous prévoyons entre 15 et 20 événements par an. Et puis il y a un troisième volet important qui est le volet corporate, c'est-à-dire l'utilisation du niveau N1 avec les 76 loges qui peuvent se transformer en salle de réunion, avec les 10 000 m² de réceptifs, avec un auditorium de 250 places qui doit nous permettre tout au long de l'année, toutes les semaines, d'organiser des séminaires, des conventions, et là, une fois encore, en synergie avec le programme immobilier et notamment les hôtels. C'est un ouvrage architectural extraordinaire conçu par les cabinets Pierre Ferret Architecte et Valode et Pistre. Et j'aime beaucoup la phrase de Denis Valode qui dit « Quand on pense Sydney, on pense Opéra. Quand on pense Bilbao, on pense Musée Guggenheim. Quand on pensera Lille dans quelques années, on pensera Grand Stade ».